Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, et moi je vais très bien, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur le Movie Star Planet 2, dans lequel aujourd'hui on va découvrir le shop actuel du jeu, donc tout ce que MSP2 nous propose actuellement. Donc j'ai accepté un ami Bellanator et Blue Range. On va regarder parce que je vois qu'il y a un petit truc, une petite bulle au-dessus de Bellanator, je pense qu'elle nous envoie un message. Comment ça marche? Ici, message. Slow. Ok. Elle m'insulte ou quoi? T'es conne. Voilà. Elle m'a dit salut. Je vais lui sortir coucou. Comme ça, on découvre en même temps. Donc, il faut savoir déjà d'une que la vidéo ne rend vraiment pas justice aux couleurs du jeu. Enfin, parce que vraiment sur... en fait, là, j'utilise un iPhone qu'on m'a prêté. Et du coup, je fais une... enfin, j'enregistre sur mon PC. Et en fait, sur l'écran de mon PC, l'image, elle est beaucoup moins colorée que sur le téléphone. Il est possible qu'au montage, j'ajoute un filtre un peu plus coloré de contraste pour essayer que ça ressemble au maximum au jeu. Mais bon, on verra bien. On va aller dans le shop et on va découvrir du coup la boutique dans le game. À savoir que moi j'ai un compte du coup qui n'est pas VIP. Mais bon, je peux quand même vous montrer tout ce qu'il y a. Et on peut quand même créer un look. Même si j'ai envie de vous dire qu'avec 750 Star Coins, je ne vais pas aller loin. Je ne vais même pas pouvoir créer un look complet. Et je ne sais pas encore comment pouvoir gagner des Star Coins dans ce jeu. Encore une fois, c'est une version bêta, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas tout ce qu'il y aura à la fin, quoi, en fait. Bon, alors, on va regarder un petit peu. Donc là, on a un petit chemisier. On a une robe. On a une robe, un haut. Donc vous voyez, moi pour moi, c'est des objets qui ont été convertis de MSP1 sur MSP2. Par exemple, clairement, le haut là, celui-ci aussi, ils existent déjà sur MSP1. Et surtout, je pense que celui-ci aussi. Il y en a peut-être qu'ils n'existent pas, mais il y a tellement de vêtements sur MSP1 que je ne peux pas non plus tous les reconnaître. Mais bon, dites-moi en commentaire si d'après vous, tout ça, ça existe déjà sur le MSP1. Comme vous pouvez le voir, c'est vide, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont accès à la bêta, ou peut-être que les gens ils s'amusent plus à regarder les looks, etc. Tout à l'heure, quand j'étais pas en vidéo, il y avait des gens qui se tapaient la discu. Mais c'est vrai qu'il est aussi tard, hein. Il est tard, il est 23h au moment où je filme cette vidéo, donc c'est peut-être pour ça aussi. Est-ce que quand on clique... Vous voyez, regardez ici, il y a quelqu'un qui est VIP, regardez en haut à gauche. Attends, elle me dit hi, je lui dis hi, hello. Je vais l'accepter en ami, c'est midi. Alors elle est niveau 3, ça veut dire qu'on peut monter des niveaux. Ah, elle me demande comment je vais. Nice and you. Attends, on va regarder, est-ce qu'on peut envoyer des autographes? On peut aller... Attendez, j'ai envie de cliquer sur sa maison là, mais... I'm great. Donc elle est niveau 3, ça veut dire qu'on peut monter. Alors, oh, intéressant. Parce que j'ai vu qu'on pouvait déjà proposer des looks. Il y a un sort de classement de looks. Donc ça peut être sympa. Ok, le club VIP. Ok, ça charge. Donc là, je suis dans ma maison. On découvre ma maison. Wow. Maison de Yukinzel. Alors,
C'est un peu le bordel, désolé, j'ai oublié de faire le lit. Mais sinon, à part ça, c'est propre. En tout cas, c'est plus propre que chez moi, ça c'est sûr. Mais on a carrément une maison. Et ça, c'est super intéressant, parce que dans MSP1, on a plusieurs pièces, mais genre, on voit pas la totalité. Et je trouvais pas ça ouf, parce qu'en vrai, les gens, ils découvraient uniquement la pièce principale où on apparaît quand on se téléporte à sa chambre, en tout cas. Alors que là, on va pouvoir tout voir. Et du coup, quand quelqu'un va venir, il va voir l'intégralité de la maison, et honnêtement, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut modifier la chambre? J'ai pas l'impression d'avoir la possibilité de la modifier. Oh, attendez, je me suis assise, regardez. Attendez, je vais essayer d'aller dans le lit. Je vais essayer d'aller dans le lit pour voir. Est-ce qu'elle va aller dans le lit? Yes! Oh, c'est trop stylé! Allez, allez dans le lit, regardez! Wow! Est-ce que je peux aller genre sur l'ordi? Oh! Attends, on va se regarder devant le miroir. Est-ce qu'on peut stalker les gens par la fenêtre? Est-ce qu'on peut se suicider? Non, on peut pas! Je voulais me défenestrer, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va dans le placard? Ça va nous ouvrir nos vêtements? Non, c'est dommage. Ils auraient pu faire genre un truc genre quand on clique sur le placard, que ça nous fasse... ouvrir nos vêtements. On va regarder en bas si on peut interagir avec la cuisine ou pas. Parce qu'on peut... Là, on s'assit, d'accord. Et on mange. Regardez. On est en train de manger. Mais c'est quoi qu'elle bouffe? Je sais pas. On dirait du vomi. Le placard. Là, on peut rien faire. Là, je pense qu'on peut s'asseoir sur les chaises, mais bon. Est-ce qu'on peut aller sur le transat dans le jardin? On va aller voir ça. Il y a aussi des petits poufs sympathiques. On va tester ça. Le transat. Yes. Le transat week-end. Et le pouf, je suppose que on peut aussi. Mais en vrai, on a une belle maison. On a une très belle maison. Yes. Ok, regardez, on est bien. Voilà. Parfait. Alors, les autres lieux, du coup, il y a le club VIP, mais je ne peux pas y accéder. Donc je pense que je vais quand même mettre le compte VIP, histoire de pouvoir découvrir toutes les features de la bêta, parce que sinon, voilà, je pourrais pas tout montrer. Et c'est un peu dommage. Donc on a visité le Central Plaza, la maison qui est le My Home, et on va tester la plage. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble cette plage. Donc nous voici à la plage. Hop. On va dézoomer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, on dirait trop une plage de GTA avec... Avec les attractions à gauche. Ça me fait trop penser à GTA. Alors, est-ce qu'on peut genre aller sur la bouée? Est-ce qu'on peut genre interagir aussi? Yes! Ça c'est cool. Est-ce qu'on peut interagir avec le marchand de glace? Donc en fait là, on atteint les limites de la plage. Hein. La plage est pas très grande. Bon, en soi, c'est pas dérangeant, parce qu'au moins, les gens se verront mieux si c'est pas trop grand. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire quoi que ce soit avec ça. Est-ce que je peux fouiller dans les poubelles? Non, je ne peux pas. Ça, on va pouvoir certainement s'asseoir sur le pouf quand même. Bah, en soi, c'est j'aime bien. La plage, elle est sympa. Je vous ai montré à peu près tout ce qu'on pouvait vous montrer, je pense, sur le MSP2. N'hésitez pas à proposer des idées dans les commentaires. De toute manière, dès qu'il y aura quelque chose de nouveau sur MSP2 que je pourrais vous montrer, genre une nouvelle mise à jour qui nous donne accès à autre chose, et bah, je vous montrerai. Parce que là, actuellement, bah, on a accès à la boutique que je vous ai déjà montré, aux pièces que je vous ai déjà montrées, au placard que je vous ai déjà montré, à notre propre placard. Le studio n'est pas encore disponible pour les photos, ni pour les designs, ni pour les movies, ni pour les artbooks. Il y a juste les looks disponibles. Donc je vais peut-être créer un look pour finir cette vidéo, pour vous montrer. Et on va tester ça. On va mettre plus et on va regarder. Bah, de toute manière, je peux pas créer quelque chose de plus que ça, puisque je n'ai rien d'autre. Donc on va créer le look avec mon look actuel. Et on peut choisir une pose. J'ai envie de mettre la tristesse pour rigoler. Ça, c'est quoi? Ah, d'accord. En fait, ça, c'est... Ah, les masques, il me semble que c'est les sentiments, peut-être. Ça, c'est neutre. Ça, ça doit être triste. Ça doit être en colère. Et ça, ça doit être heureux, je pense. Ici, ça doit être des poses un peu plus genre... voilà, genre, je fais trop la meuf. Ah, ça. Un petit hello. Elle se fout de la gueule de quelqu'un. Applaudissements. Et ça, c'est le background de l'image. Donc, on peut changer. Franchement, je la vois bien ici.
et on va faire ça. Ce que vous connaissez. Et on va appuyer. Est-ce que, genre, attendez. Est-ce qu'au moment où j'appuie sur le téléphone, ça va prendre la photo? Genre, si je suis comme ça, ça va prendre. Ouais. Ouais, ça c'est stylé. En fait, au moment où vous appuyez pour prendre la photo, c'est. En fait, vu que la movie, elle est en mouvement. Et ça, c'est vraiment cool. Sauvegarde ce look. Et on va l'appeler mon arrivée. À Los Santos, j'ai envie d'écrire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Los Santos, c'est la ville de GTA, quoi. Mais bon, ça me fait rigoler, c'est la plage qui m'a trop fait penser à ça. Down, on met en public, on met OK. Voilà, très belle arrivée à Los Santos. Avec cette photo, on dirait que je saute, on sait pas trop ce qu'elle fout. Afficher ton look dans le studio, afficher maintenant. Voilà. Et du coup, là, j'apparais ici. Donc là, on va pouvoir voir, les gens vont pouvoir voir mon look. Et du coup, je ne sais pas comment ça fonctionne pour gagner des Star Coins et des Fame. Peut-être que justement, c'est les gens là, ils vont pouvoir... Alors, je vais essayer d'appuyer sur une photo. Et si je mets un Love It, est-ce que la personne, elle va gagner un peu d'argent ou un peu de fame si elle reçoit des likes ou des Love It, comme on dit, sur MSP. Alors là, si je peux mettre, on peut changer. Ah, ça c'est pour voir les siens, et ça c'est pour voir ceux de tout le monde. Et on peut pas, je pense, j'ai pas l'impression qu'on puisse voir les commentaires. Non, il n'y a pas encore de possibilité de lâcher de commentaires. Mais ici, bah voilà. Donc, en tout cas, si vous avez l'accès à la bêta de MSP2, n'hésitez pas, si vous pouvez, à Love It, ma petite création. Donc mon pseudo c'est U15L, comme je vous le disais. Histoire de voir si c'est ça qui fait augmenter nos niveaux. Parce que si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est. J'essaierai un peu de me renseigner, de regarder un petit peu, si je trouve, en dehors bien sûr des vidéos. Mais je pense que c'est ça, parce qu'on peut rien faire d'autre de toute manière. Hein. C'est une façon de marcher. Je vais appuyer sur SAD et elle va marcher. Oh non, elle est tellement triste. On va mettre happy. Voilà. Ah voilà, on va marcher comme ça. Oh, c'est trop bien. Regardez. La 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 la. J'adore. Et si on met genre énervé. Voilà, elle marche énervée. Là, elle va casser des gueules. Mais non, j'ai envie de mettre happy. Celle-là, j'aime bien. C'est la meilleure, je pense. Du coup, ça, c'est les façons de marcher. Et l'autre, du coup, c'est pour les animations, les pauses en dehors, en fait. Et genre, on va en tester une que j'ai. Ah non, ça, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. On va tester, genre, hop, pour faire un petit coucou. Voilà, je mets hop en grand, petit coucou. Ça, c'est bon. Bah, écoutez, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Au niveau des amis, je crois qu'il n'y a pas de classement encore. Effectivement, il n'y a pas de monde. Hop, on peut rechercher des gens. Ah, il est assis à côté. Attends, on va s'asseoir à côté d'elle. Là, là, là. Ah, elle a vu, je me suis assise à côté, elle est revenue. Ah là là. Parce qu'on se tape la discute avec elle. Je vais lui demander where you from. Je sais pas si on a... non, je vais pas demander ça parce qu'on n'a pas trop le droit de demander d'où ils viennent, mais... je vais dire what... je lui ai demandé si elle parle que anglais. Voilà, si elle me dit qu'elle vient du Danemark ou de... Enfin, Danemark. De l'Allemagne ou de... Ou d'un pays que je parle pas la langue. Voilà. Je sais même pas si elle a vu mon message. No, I'm from Denmark, so I speak Danish too. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ah, ok. I'm French and Polish. What about you? Ah bah, j'ai répondu ok. I'm French and Polish. I'm from French server. Elle a du mal, hein. Elle doit appuyer quelque part pour parler et puis en fait ça fait bouger son personnage. Nice. Y a l'autre qui lui dit ouais, you are, tu es tout le temps là en fait. En gros, elle est tout le temps connectée. Attends, je crois qu'elle m'a reconnu. Karzel and Mini. Parce que je vois pas en fait, les bulles se superposent. Alors ça, pareil, c'est gênant. Je pense que je vais le dire à MSP. Je vais dire écoutez, ça serait possible que genre les bulles. Attends, elle me connaît en vrai. I'm not gonna miss the chance to be. In people's YouTube vidéo. Ah là là, en fait elle devait être dans les vidéos des gens qui font des vidéos, enfin sur YouTube quoi. Elle est pas bête hein. En fait c'est pour ça, en fait elle m'a cherché, c'est pour ça qu'elle est venue à la plage, elle était en train de me chercher je parie. Regardez en haut à gauche, on a reçu de l'expérience, on a reçu 10 fame. Mais genre, I didn't get my Star Coins when I reached level 3. Elle a dit qu'elle a pas reçu ses Star Coins quand elle est montée niveau 9. J'ai vérifié si j'ai reçu peut-être un like sur ma photo. Ouais, c'est parce que j'ai reçu un like. En fait, ça donne 10 fame quand on reçoit des ouais. Donc c'est cool. Au moins, avant la fin de la vidéo, j'ai pu vous montrer ça.
Bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Dès que je monterai un niveau, je vous montrerai ce que ça fait. Donc en gros, je vais essayer de monter niveau 2, mais vu que ça prend un petit peu de temps, donc voilà, si vous êtes vraiment sur la bêta, n'hésitez pas à me low vite mon petit look. Mais j'aimerais bien au moins atteindre le niveau 2 pour voir ce qu'on reçoit pour un niveau. Est-ce qu'on reçoit des fame? Non, pas des fame, des star coins. Est-ce qu'on reçoit, comme dans le MSP1, des petits cadeaux et on a le choix? Enfin bref, on verra ça. Bah écoutez, moi je vous laisse. Gros bisous à vous et ciao ciao.